La Jaguar Type-E a fait sensation dès son lancement au Salon international de l'automobile de Genève en 1961. Avec sa ligne révolutionnaire, ses performances étonnantes et son prix compétitif, elle est devenue l'une des voitures les plus marquantes d'une génération. Le grand Manitou italien de l'automobile Enzo Ferrari a même déclaré que c'était la plus belle voiture jamais fabriquée. Malheureusement, celle que nos amis vont voir n'est pas belle du tout. Elle est même repoussante. Mais il ne faut pas le dire à son propriétaire Mick Winterburn, concierge dans une école, parce que c'est la voiture de ses rêves. Il l'a depuis presque 10 ans, mais n'a pas pu la remettre d'aplomb à cause de circonstances fâcheuses et de problèmes de santé. Cet enfant des années 60 a donc besoin d'un peu moins de paix et d'un peu plus d'amour. Une Type-E ? Évidemment, Mick ne se doute pas le moins du monde que Tim et Fuzz vont venir chez lui. Ce sont sa fille Karen et son épouse Trisha qui les ont contactés en secret dans l'espoir que Mick retrouvera le moral en voyant sa voiture remise à neuf. Pour passer incognito, nos deux comparses se fondent dans le paysage en se déguisant en voleurs de voitures. Bonjour. C'est moi, Tim. Et lui, c'est Fuzz. Ça va ? Bien, merci. Mick n'est pas là ? Non, il est au travail. Donc, il y a une Type-E ici. Oui. Et des mains qui meurent d'envie de la réparer. Formidable. On peut la regarder ? Bien sûr. On vous suit. Regarde-moi ça. Ouais, quelle merveille. Attends, je fais ça tout doucement. T'as vu ça ? Fais voir. Regarde ça. Quelle voiture, mes aïeux. C'est la voiture. La voiture, en effet. Avec sa carrosserie aérodynamique et son moteur puissant XK 6 cylindres de 265 chevaux, cette Jaguar pouvait atteindre 240 km/h, ce qui en faisait l'une des voitures les plus rapides sur le marché pendant les années 60. Même si son prix de vente d'époque de plus de 2000 livres représentait plus de deux fois le revenu annuel moyen d'un ménage, elle était beaucoup moins chère que les autres voitures de sport. Elle a connu un succès instantané dans le monde entier et elle a continué à être produite jusqu'en 1975. Aujourd'hui, une Type-E en état impeccable peut se négocier à plus de 275 000 euros. Si jamais vous en trouvez une pas chère, cela peut être un très bon investissement. C'est la fierté de mon père. Il adore cette voiture. C'est vraiment une voiture légendaire des années 60. C'est un colosse. Ton père est un type cool. Franchement, je la trouve un peu grande et moche. Traite-moi de grand et moche, mais pas elle. Suivez-moi, vous allez me parler un peu de Mick. Toi, fais ton boulot. Je vais l'examiner. Amusez-vous bien.